Salut tous! Je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que... c'est journée costumée! Rappelez-vous, la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait... plaisir! C'est ça! Eh bien, qu'attendez-vous tous? Go! Quelque chose pour qu'on puisse jouer. Je ne suis pas sûre. Commencez, je vous rejoindrai. Costume était pris? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial. Mais la fée, c'est un costume de fille. Mais pas du tout. Si, ça l'est. Salut. Pourquoi? C'est juste ce que je voulais porter. Tu pourrais être un viking, ou un pirate, ou un... non. Jeffrey a perdu sa baguette. Ça n'était pas très gentil. On lui a juste dit que c'était un costume de fille. Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon. Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit. La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir. Il avait l'air d'avoir du plaisir. Et Jeffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique. J'en veux pas. Mais t'en as besoin pour battre les ninjas. Et tu as besoin de tes ailes pour voler. Ta fée guerrière était vraiment bien. La magie, c'est ce qu'il y a de mieux. Désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Jeffrey. Porte vraiment ce que tu veux. Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé. Laissez mes amis tranquilles. Oh, là vous avez un gros problème. Woo!
Merci, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Où ta baguette magique? Oh non! Je rate les feux d'artifice! On les verra très bien d'ici. Ça doit être pour la célébration du nouvel an lunaire. C'est un joli pull sans manches que tu portes là, Caillou. Merci. Sarah a dit que le rouge, ça porte chance. Salut! Joyeux nouvel an lunaire! Bonjour, Caillou! Oh. Merci beaucoup d'inviter Caillou pour dîner. On le reprendra dans quelques heures. Avec plaisir! Nous sommes très heureux de t'avoir chez nous, Caillou! Au revoir! Veux-tu enfiler ces chaussons? Caillou. Xin Yan Hao. Hein? Ça veut dire joyeuse année. Xin Yan Hao. Oh, wow. T'en veux? Ouais, j'aime les oranges. On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire. Ça porte de la chance. Miam! Cette orange de la chance est délicieuse! C'est bien un dragon? Ouais! C'est la danse du dragon! Le dragon chasse la malchance et nous donne la bonne chance! Ce dragon n'a pas d'ailes. Les dragons chinois n'ont pas de grandes ailes. Ils plongent et ils dansent comme ça, Caillou. Sarah, Caillou, prêt pour Yashui Chien? Ouais! C'est quoi ça? C'est l'enveloppe rouge. Oh. Oh. Les enfants reçoivent ces enveloppes rouges pleines d'argent. Merci beaucoup! À une année paisible et sûre pour Sarah et Caillou. Que vas-tu faire avec ton argent? Faut pas le gaspiller. T'as raison. On devrait acheter... quelque chose d'important, comme... des bonbons! Veux-tu du poisson, Caillou? Oui, merci. On mange du poisson au nouvel an lunaire, ça apporte le succès. Dur à manier. Essaye plutôt celle-ci. Oh! Miam! Après dîner, il y aura encore des feux d'artifice. Encore des feux d'artifice? J'avais peur de les manquer. 3, 2, 1! Tes parents sont là, Caillou! Oh, est-ce qu'il doit partir? Il est temps pour vous deux d'aller au lit pour être frais pour votre premier jour de l'année. Savais-tu que les dragons dansent pour chasser la malchance? Ah, ah bon?
Savais-tu que je sais manier les baguettes maintenant? C'est si facile! Oh! Tu as appris beaucoup ce soir. Ouais, et... Savais-tu qu'il est temps de dormir? Joyeux nouvel an lunaire, maman et papa! Joyeux nouvel an lunaire, Caillou! On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre. L'arbre va relever? Je ne pense pas, Mousseline. Oh, ma balançoire! Ça se répare? Désolée, Caillou. Faut dire adieu à la balançoire aussi. Mais... j'aime pas dire au revoir. Oh? Mais où Gilbert va s'asseoir? L'arbre était son endroit favori. Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre. Voici ta nouvelle demeure, Gilbert. C'est le jardin. Oh! Oh, Gilbert! Toutes ces nouveautés te font peur, hein? L'arbre est gentil, Gilbert. Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué. Comme ça. Et du tout en haut des branches, tu peux voir vraiment tout. L'arbre n'était pas seulement le favori de Gilbert, mais aussi celui de Mousseline. Mousseline aime arbre. Caillou, quelqu'un veut te rencontrer. Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline. Ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal que les bébés pleurent. Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen pour que Mousseline se sente mieux. Je sais. Il y a peut-être trop de lumière. Oh. Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait. Un câlin de moi? Mais elle est si petite. Mais essaye donc. Tu es son grand frère après tout. Mais je ne sais pas comment être un grand frère. Il faut bien tenir sa tête. Elle ne pleure plus. Tu as la formule magique. Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou. Ah. Ouf! Eh bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça. Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici. Et on a planté l'arbre ensemble. Quoi? On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas. J'étais où?
tu n'étais pas encore née. Tu étais dans mon ventre. Une maison neuve, un nouvel arbre et bientôt un nouveau-né. Cela fait un peu beaucoup. C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau. Mais ça peut quand même être bien. Il faut prendre les choses jour après jour. Bon, c'est bien. Maman, Caillou, voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr. Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cet arbre. En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs. Ma mère m'a appris à le faire. Oh, bel avion, Léo. Veux-tu être le premier à montrer dit ce matin? Moi d'abord. Magnifique. N'oublie pas d'utiliser le tableau « Comment je me sens » quand tu nous racontes ton week-end. Ce week-end, c'était l'anniversaire de ma grand-mère et j'ai... Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de sentiments, Madame Martin. Pourquoi ne pas le prendre un par un? D'abord, j'étais perdue, car je devais choisir un gâteau. Mais il y avait tellement de choix. Caillou. Lequel grand-mère aimerait? Ah, celui-là. Rouge, c'est sa couleur préférée. Comment tu t'es sentie, Caillou? Ah, fière. J'étais en charge. Ouais, j'adore être le patron. Très bien. Merci, Jason. Et ensuite, Caillou? On devait choisir un cadeau pour grand-mère. J'étais un peu... nerveux, car je devais vraiment penser à ce que grand-mère aimerait. On a été dans un magasin. Il n'y avait que des choses pour les grands. Aucun jouet nulle part. Hein? Qu'en penses-tu, papa? Elles sont spéciales, Caillou. Mais tu penses que grand-mère les aimerait? Peur! Les bestioles font peur! Je me suis sentie triste. Mais j'ai cherché quelque chose de mieux. Parfait. Grand-mère va l'adorer. Oh non! C'était pour ma grand-mère! Allons, attends, Caillou. Cette dame l'a eu d'abord. Mais les roses sont les fleurs préférées de grand-mère. Oh? Hein? Ah! J'étais... un peu déçue de ne pas avoir le gilet pour grand-mère. Mais super content quand la dame me le laisse l'acheter. Elle a l'air d'être très gentille. C'est vrai. Mais ensuite, je me suis sentie pas content. Car maman m'a fait porter un chandail qui gratte que grand-mère a fait pour mon anniversaire. Les chandails grattants sont pires que les bestioles. Ouais, j'étais un peu... grognon.
Mais grand-mère était vraiment contente que je le porte. Oh, Caillou, le chandail que je t'ai fait. Tu as dû te sentir vraiment très... inquiet. Désolée, grand-mère, j'ai gâché ton gâteau et gâché ton anniversaire et gâché... Tu n'as fait rien de cela, Caillou. En fait, tu m'as apporté le meilleur des cadeaux. Mais... Qu'y a-t-il, Caillou? Je n'aime pas le chandail que tu m'as offert. Je l'aime parce que tu me l'as donné, mais il fera trop. Désolée. Oh, Caillou. Hein? Je suis contente que tu me le dises. Vraiment? Eh bien, oui. C'était gentil de le porter, bien que tu ne l'aimes pas, parce que tu savais que cela me ferait plaisir. Mais tu peux porter quelque chose que tu préfères à la place. Et quant au gâteau, le meilleur des cadeaux est de passer du temps avec toi, Caillou. On peut peut-être faire un autre gâteau ensemble? J'ai ressenti plein de choses à l'anniversaire de ma grand-mère, mais... j'ai appris que quand les autres étaient gentils, ça me rendait heureux. Et même quand mes sentiments étaient confus, je pouvais choisir d'être gentil. Et alors tout allait bien mieux. Écoutez tous, on est ici pour notre premier voyage de camping. On dormira sous les tentes, nous verrons la nature, on rôtira les chamallows au feu du camp. C'est excitant, mais il faut faire attention et, le plus important, écoutez ce que Madame Jasmine et moi vous demandent. Madame, oui, madame! Quand on est dans la nature, il faut faire attention. Scout Caillou, hein? Pourquoi faut-il être sur ses gardes dans la nature? Ainsi on peut être prudent et s'amuser. C'est ça. Bon, d'abord, il faut tous monter les tentes. Suivez-moi, Scout. Devoir dormir dehors. T'inquiète pas, Caillou. Camper ici, c'est super. On peut rôtir des chamallows autour du feu. Oh, et quand la nuit tombe... C'est bien ça, Clem. Je n'aime pas la nuit. Ça fait peur. Et je n'ai pas ma veilleuse ici. La nuit ne fait pas peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand la nuit tombe, on peut observer et voir chacune des étoiles. Chaque étoile? Clémentine? Que se passe-t-il? Ça va aller? Maman! Oh! Tout va bien, chérie. Je l'ai eu. C'est juste une coccinelle, Clem. C'est pas grave. Merci de me sauver, je veux dire, Madame Jasmine. C'est pas grave, Clémentine. T'as eu peur. Tu n'aimes pas les bestioles.
Tu as peur des coccinelles? On a tous peur de quelque chose, Caillou. À regarder. Hé! Hey, elle ferait des bonnes veilleuses de nuit, n'est-ce pas? Bonne nuit, Clémentine! Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit! Bonne nuit! Eh bien, bonne nuit, vous tous! Allons dormir, s'il vous plaît. Hé, Caillou. Grand-père. Avec quoi est-ce que tu joues? Mon jeu des billes. Ça a l'air compliqué. C'est vraiment chouette. Il y a quoi dans le sac? J'avais ce jouet quand j'étais petit. C'était à ton père aussi. Oh! Un train électrique? Wow! C'est vraiment super, grand-père. Je faisais rouler cette chose à toute allure dans la maison à ton âge. De la cuisine, au salon, au jardin. Bon, je ne devais pas le faire rouler vite dans toute la maison et le jardin. Je veux qu'il roule ici très vite. Les trains ne veulent pas tous aller vite, Caillou. Parfois, ils veulent ralentir et profiter de la vue. Faisons un rail lent et régulier, dans un cercle sûr et simple. Ok. Peut-être qu'il peut monter là et faire un looping et faire exploser les confettis. Je ne pense pas que ce train puisse faire des loopings, mais il peut prendre un virage. Bon, bien du plaisir. J'ai promis à maman de faire le ménage avant son retour. Ok. Salut, papa. Et là, voilà. Ouais, un petit cercle normal pour un petit train normal. Et maintenant, attention. Tu vois, c'est pas beau ça, Caillou. Je peux le regarder une journée entière. Comment ça va ici? Oh, grand-père d'art. Oh. Il est très bien ton train, Caillou. J'espérais qu'il aille plus vite. Grand-père accepterait qu'il aille un peu plus vite. Je peux le faire, papa? Bien sûr.
génial! Ce serait bien d'avoir les voix longues comme mon jeu de billes. Grand-père accepterait qu'elles soient un peu plus longues. Oh. Oh. Peut-être été un peu trop loin. On doit le défaire. Ouais. Oh. Mais peut-être qu'on peut l'essayer d'abord. Ah. Prêt, papa? Prêt, Caillou. Dernière partie. Qu'est-ce que... Surprise! Mon train. Je suppose qu'il voulait aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on s'est trop bien amusé. Et maintenant, les vagues. Cette stupide robe. Clem, chérie, les bagues. Ah ouais, je les ai ici. Ding. Merci, Caillou. Vous êtes maintenant mariés. C'est le meilleur jour de ma vie. Tiens, Mousseline. Comme ça. Oups. Bis confetti. C'est l'heure de la photo. Oh, la photo. Allons, prenons une bonne place. Allons-y. Attendez, attendez. Je dois trouver la bonne place. Oups, désolée. Voilà, la place parfaite. Tout le monde dit mariage. Mariage. Oh non. Bien. La meilleure vue de tous. C'est le meilleur des jours. Vite, c'est l'heure du gâteau, vous tous.
Oh, 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 oh. Mon moment préféré. Gâteau. Oh. Oh non. Oh. Oh. Du gâteau sur la tête porte bonheur. Oh, que dirais-tu d'une danse mère-fille? Ouais! Pip, pip, pap, oh! Oh, j'aime cette chanson. Allez. Bip, bip, oh. Meilleure bourre de ma vie. Wow. Oh. Oh non, j'ai gâché la journée. Oh, 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 Clem, les choses très imprévues peuvent aussi être juste bien. Attention, Meilleur jour de tous. De tout, de tout. Attention, bon. On doit attendre maman et papa. Maman, cadeau. J'ai oublié le cadeau de Noël de maman. Oh non. Tu sais, mes cadeaux préférés sont ceux qui ont une touche personnelle. Ta maman s'en fiche si ton cadeau n'est pas parfait. Elle sera juste contente que ça vienne de toi. Père Noël, que faites-vous ici? Oh, distribuer des cadeaux, c'est amusant. Mais les fabriquer, c'est encore mieux. Ah ouais? Je pourrais fabriquer un cadeau. Je ne voulais pas vraiment lui donner Teddy. Désolée, Teddy. Oui. Waouh. Oh, c'est absolument parfait, Caillou. Je ne suis pas sûre. Oh, il manque des paillettes. Oh. Allons déjeuner, juste en attendant que Caillou se réveille. Déjeuner. Il faut trouver des paillettes. Allez, Père Noël. Bon, où peuvent être les paillettes, là? Ah ah! Là!
alors, Père Noël. Pas un seul bruit, hein? Père Noël, attendez! Père Noël, allez! Mille cloches sonnantes! Non! Ah, ça doit être Caillou là-bas. Hein? Hein? Oh. Non, juste Gilbert et une pagaille de paillettes. Oh, c'était juste. Père Noël, je pensais que vous étiez bon à vous faufiler. Vous livrez les cadeaux chaque année sans être vu. Oui, mais tout le monde est endormi. Oh, oh, c'est merveilleux, lutintastique. Oh, il faut un cadre. Un cadre, bien sûr, comme c'est charmant. Et c'est reparti. Oh, il doit y avoir un cadre ici quelque part. Oh, je sais. Oh. Attendez, Père Noël! Caillou, debout! Oh, t'es debout! Viens prendre ton petit déjeuner spécial de Noël! Tu veux des gaufres, Caillou? Hein? Désolé, papa! C'est pas grave, ce pull n'était pas noëleux de toute façon! Si j'étais un cadre, où serais-je? Oh. 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 Joyeux Noël. D'accord. Qui veut donner le premier cadeau? Ah! Oh, moi! Joyeux Noël, maman! Oh, comme c'est gentil, Caillou! Je l'aime beaucoup!